Chers amis, bonjour. C'est peut-être pour la première fois que vous entendez, pour un culte, pour une prédication, un livre dans son intégralité. L'épître de Paul à Philémon. J'ai voulu prendre ce texte parce que vous allez voir toutes les leçons que nous pouvons tirer de ceci pour nous, aujourd'hui, dans le thème que nous avons, qui est celui « Être chrétien au quotidien ». Et je vous parlerai donc de cohérence, puisque cela me semble être une des choses qui sont attendues de la part des chrétiens. Revenons sur ce texte, et j'en ferai ensuite une application qui pourra peut-être nous faire réfléchir. L'apôtre Paul a un problème éthique majeur. Ce problème éthique est le suivant, et nous sommes toujours en train de tenter de résoudre des problèmes éthiques. Un des problèmes, par exemple, juste pour vous mettre beaucoup plus simple, évidemment, que celui que Paul a à résoudre et que nous avons aujourd'hui, étant administrateur moi-même d'une maison de retraite, la question est le refus de soins. Comment fait-on si des personnes âgées dans une maison de retraite refusent les soins? Et nous sommes pris dans une double contrainte. La première, c'est de soigner, qui est une obligation, en particulier de la part du personnel médical, et en même temps, de la liberté individuelle, que nous devons respecter. Et question, que devons-nous faire dans ces situations? Un jour, si ça vous intéresse, on pourrait vous parler de la réflexion de la commission éthique sur ces sujets-là, et qui sont des sujets d'actualité. Le problème éthique de Paul est le suivant. Philémon est un membre éminent de l'église de Colosse. Ce n'est pas dit, mais au travers des salutations, on se rend compte que ce sont les mêmes personnes que ceux qui sont à l'église de Colosse. Membre important, responsable, puisqu'il dirige, il semble diriger l'église, et cet homme a des esclaves. Ce qui, à l'époque romaine, était légal, tout à fait légal. Et il a un esclave qui a fui, Onésime. Vous avez remarqué? Peut-être en emportant la caisse, d'ailleurs. Si vous avez bien écouté le texte, c'est quand même dit. Et Onésime est parti, il a rencontré Paul et il s'est converti. Et Onésime est devenu chrétien. Question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans un conflit de valeurs? D'une part, l'esclavage est quand même inadmissible au sens chrétien du terme, mais d'autre part, je me dois de respecter les lois du pays. Sinon, je vais mettre l'Église en péril vis-à-vis de l'autorité romaine. Et comment est-ce que je m'y prends? L'apôtre Paul, pour ça, va prier. Alors, on pourrait se poser la question de savoir quelle a été la réponse de Dieu par rapport à sa prière. On va y venir petit à petit. On se remet dans le contexte. Donc, l'apôtre Paul commence par non pas écrire une lettre personnelle à Philémon, ce qu'il aurait pu faire, mais il écrit à Philémon et à Appia, qui est certainement sa femme, Archippe, un compagnon d'armes, donc quelqu'un qui travaille avec Paul, et il écrit à l'Église. Ce n'est pas privé, mais en même temps, c'est à Philémon. Et donc, il va jouer sur les deux tableaux, parce que c'est une affaire publique. C'est un sujet sérieux. Et remarquez la manière dont il s'y prend. Vous allez me dire, il va prendre Philémon par les sentiments. Il ne va parler d'Onésime qu'au milieu du texte. Il commence par dire quelque chose qui est vrai, « Je rends grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières. » Il prie pour Philémon. Qu'est-ce qu'il fait dans ses prières? On va faire changer les lois romaines? Parce que c'est inadmissible, l'esclavage. Est-ce qu'on va faire que Philémon change d'attitude? Et il lui dit,
j'ai beaucoup de joie, d'encouragement à cause de ton amour, car par toi, mon frère, le cœur des saints est tranquillisé. Le cœur des saints, la traduction véritable, c'est mes entrailles. C'est le plus profond de moi-même. Il emploiera ce terme, dans ma traduction, c'est le cœur, en grec, c'est mes entrailles. Et il va donc faire appel aux entrailles de Philémon, c'est-à-dire non seulement à son intelligence, mais également à son affection. Et là, il va parler d'Onésime. Philémon, ça veut dire quoi ? Les noms dans la Bible ont parfois un sens. Philé, aimé, la lune. Était-ce un homme dont les parents ou grands-parents étaient des astronomes ou des astrologues, j'en sais rien, mais ils aimaient regarder la lune. Moi aussi, j'aime bien regarder le ciel. Je me retrouve bien en Philémon. Onésime, ça a un sens. Ce sens lui a été peut-être donné parce qu'il était esclave. Ça veut dire service. Onésime veut dire service. La plupart des habitants de la ville de Colosse étaient des esclaves. Il y avait de nombreux esclaves. Habiter Colosse n'était pas forcément une bonne chose. Et donc, c'est pourquoi, bien-aimé, dans le Christ, une grande assurance pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te supplier, au nom de l'amour, encore une fois, pour Onésime. Et remarquez, là encore, comment est-ce que l'apôtre Paul va parler à Philémon ? Il va lui dire, finalement, il y a plusieurs choses. Il ne va pas culpabiliser Philémon. Parce que finalement, Philémon ne fait que suivre la loi. Onésime, pas très clair dans cette affaire, d'abord il s'est échappé. Et remarquez ce que va faire l'apôtre Paul. Il aurait pu garder Onésime avec lui, puisque Onésime lui était son serviteur. Il dit, Onésime me sert en ce moment. Un esclave en fuite risquait la mort, clair. La condamnation, c'était la crucifixion d'ailleurs. Et donc, l'apôtre Paul va prendre un risque majeur. Il va renvoyer Onésime chez Philémon. Onésime est en sécurité chez Paul. Semi-sécurité. Parce qu'il y avait des chasseurs de primes qui recherchaient les esclaves en fuite pour les amener à leur maître et qui recevaient donc une récompense pour ça. Donc il était en situation de risque. Et risque vis-à-vis de la loi. Hébergement de personnes qui étaient en fuite et qui avaient vraisemblablement volé. Et donc il va prendre le risque d'écrire à Philémon. Qui porte la lettre ? Onésime. Et donc, il demande à Onésime, lui-même, de porter cette lettre. C'est un risque qu'il prend. Il prend un risque pour Onésime, parce qu'Onésime peut se retrouver dans une situation où Philémon va le reprendre, tout simplement. Puisque, vous remarquez, l'apôtre Paul n'ordonne rien au travers de cette lettre. C'est un exemple tout à fait extraordinaire de manière d'arriver à convaincre. Et quel est l'argument qu'il va donner ? Il va dire, tu vois, autrefois, Onésime, le service, ne te servait à rien. Et maintenant, il me sert. Autrefois, il était esclave. Et maintenant, il a trouvé Jésus-Christ et il est libre en Jésus-Christ. Autrefois, il était ton serviteur, et maintenant, il est l'égal de nous tous en Jésus-Christ. Philémon, tu fais ce que tu veux. C'est ce qu'il lui dit. J'ai confiance en toi. Tellement confiance que je te renvoie Onésime. Qui va pouvoir s'expliquer sur cet argent ? Qui a peut-être pas les moyens de rembourser ? Et l'apôtre Paul va dire, là aussi, avec à la fois de l'humour, de la compassion, va lui dire, s'il te doit quelque chose, Philémon, tu le mets sur mon compte.
Moi, Paul, je te paierai. Il prend un risque. Il rajoute quand même, mais je te dirai quand même tout ce que tu me dois, toi, Philémon, à moi, Paul, qui ai quand même porté cette église. On est face à un sujet ou en face d'un sujet qui s'appelle la conversion. Lorsque, j'allais dire, des gens de l'extérieur qui connaissent peu l'Évangile viennent nous voir ou nous rencontrent, c'est finalement, ça a changé quoi chez toi l'Évangile ? C'est quoi être chrétien aujourd'hui ? Et l'apôtre Paul répond à cette question. Onésime a changé. Il était esclave, il est devenu libre. Il a pris ses responsabilités. Et là, j'entame ce terme maintenant, ce sujet de la cohérence. L'apôtre Paul dit à Philémon, tu es chrétien, tu es responsable d'une communauté, ce qui n'est pas rien. Sois cohérent avec ta vocation de chrétien. Si tu es cohérent, tu accepteras Onésime. Si tu es cohérent, tu comprendras que maintenant, lui qui était un esclave est un homme qui est ton égal. Il ne lui demande pas de la franchir. Hein. Vous remarquez ? On pourrait se dire, c'est quand même la première des choses qu'il aurait pu faire. Non ! Il va laisser Philémon prendre sa responsabilité en cohérence avec ses valeurs. Vis-à-vis d'Onésime, Onésime, tu étais esclave, tu t'es enfui, tu as enfreint les lois du pays, c'est clair. En plus de ça, tu as certainement pris dans la caisse, tu as volé, ce qui n'est pas bien du tout. Sois cohérent. Tu te dis chrétien maintenant, tu dis avoir changé, c'est bien. Eh bien, prends le risque d'aller voir ton ex-patron. Et après tout, tu es toujours son esclave. C'est risqué pour Onésime. Mais l'apôtre Paul lui dit indirectement, en l'envoyant porter ce courrier, « Sois cohérent dans ta vocation, ta nouvelle vocation de chrétien. » Et l'apôtre Paul, avec cet appel à la cohérence, va faire éclater un sujet majeur qui pour nous est l'esclavage. Et au lieu de partir dans une croisade contre l'esclavage, va sortir un texte majeur qui fait que je m'interroge encore comment, jusqu'à une époque récente, le christianisme ait toléré l'esclavage. C'est une diatribe majeure contre l'esclavage. Au nom de Jésus-Christ, au nom de la liberté, au nom de la conversion, comment peut-on conserver un homme esclave ? Alors, je vais vous terminer cette histoire parce qu'elle se termine bien. Elle se termine bien parce que Ignace d'Antioche va dire quelques années plus tard, on a retrouvé un texte d'Ignace d'Antioche qui dit la chose suivante, il parle d'un certain Onésime qui est devenu évêque d'Antioche. Est-ce le même Onésime ? J'ose le croire, l'histoire serait belle, c'est-à-dire que Philémon aurait du coup libéré Onésime et qui lui serait rentré dans un service en faveur de la communauté en devenant un des responsables. Sans aucune obligation donnée par l'apôtre Paul, mais avec des effets encore plus grands que s'il l'avait obligé. Je trouve ce texte tout à fait magnifique dans la cohérence qu'il peut y avoir ou qu'il doit y avoir entre ce que nous sommes et ce que nous disons ou pratiquons. J'en arrive à ce sujet, à des sujets d'actualité, deux sujets d'actualité de cette semaine. Ce qui vient de se passer, et après tout, vous suivez tous les informations, je parle du Brexit. Franchement, la seule chose qu'on peut dire et dont on peut être certain, c'est l'incohérence des dirigeants.
qui vote pour le Brexit mais en pensant qu'il faut rester ou il faut sortir, qui vote pour mais en pensant qu'il fallait voter contre, et tout ça dans une incohérence faramineuse. Celui qui a voté contre, le lendemain du vote, dit ben, « ce que je vous ai dit, je vous ai menti ». Enfin, je cite la presse. Hein. Une incohérence terrible. Et du coup, un jugement excessivement sévère sur ces hommes. Sommes-nous, du coup, nous-mêmes cohérents? Je vais juste vous en donner deux exemples. Le premier, enfin, tout au moins quelques exemples. L'apôtre Paul, vous avez vu, a prié pour ceci. Et vous remarquez que la réponse, si on avait eu à faire ce problème, on aurait dit on va prier pour Philémon, on va prier pour Onésime, et on s'arrête là. Ça sert à quoi la prière ? Dieu connaissait bien la situation d'Onésime, il connaissait la situation de Philémon. La prière de l'apôtre Paul a servi à quoi ? Non pas à informer Dieu qui est déjà au courant des choses, non. À faire changer d'avis Dieu ? Vous pensez vraiment qu'on peut faire changer d'avis Dieu ? Je crois vraiment que la réponse à la prière de Paul a été d'écrire cette lettre. Il avait des tas d'autres moyens et il a choisi une lettre qui, en fait, est un document, quand on le regarde bien, remarquable et par lequel il va nous montrer que par amour pour Philémon, il est arrivé à faire avancer un sujet qui était un sujet éthique complexe, qui pouvait mettre en péril l'Église elle-même et la relation entre deux hommes. Ce fut, à mon avis, cette lettre fut la réponse à la prière qu'il a faite. Et donc, si je regarde maintenant le sujet de la prière et la prière elle-même, je sais que je risque de vous choquer, mais finalement, il faut que nous regardions les choses en face. J'ai entendu un jour quelqu'un disant « J'ai prié pour que mes enfants réussissent l'examen. » Au fond, pourquoi pas ? Et il a rajouté « Mais ma fille n'a rien fichu et j'ai prié pour qu'elle réussisse. » J'en ai souri et après coup, je me suis dit « Mais c'est un blasphème. On prend Dieu pour qui ?» On sourit toujours de ces Juifs qui faisaient des tas de sacrifices et puis d'un Ésaïe qui dit « Mais attendez, je ne vous ai jamais demandé de faire ces sacrifices. » On se dit « Mais attendez, dans l'Ancien Testament, il est bien noté de faire des sacrifices. » Et Ésaïe dit « Vous faites des sacrifices que je ne vous ai jamais ordonnés. » J'ai envie de dire que cette prière pour la réussite d'un enfant, je ne vous dirai pas qui parce que ce n'est pas la peine, alors que l'enfant n'a pas travaillé, Ésaïe dirait « Mais vous faites des prières que je ne vous ai jamais ordonnées. » Alors ça, c'est les autres. Maintenant, réfléchissons un peu. Nous prions pour les malades. C'est bien. Mais ça veut dire quoi ? Prier pour les malades. Réfléchissons un peu. Est-ce que ça ne veut pas dire, et je vous laisse avec cette question, qu'est-ce que moi je peux faire pour ce malade ? Prier pour un malade et n'être pas prêt à aller le visiter, est-ce que ça sert à quelque chose ? Quand nous prions, là aussi, je nous invite à une réflexion, quand nous prions à table, c'est bien, bénis ces aliments et donne-en aux pauvres. Ça part d'un bon sentiment, mais entre nous, qui donne aux pauvres ?
C'est moi. C'est vous. Et donc, quand on dit « donne-en aux pauvres », c'est il faut se mettre dans la position de se dire « mais qu'est-ce que je vais faire pour en donner aux pauvres ?» Ça va faire l'objet d'une étude de tout un trimestre ce matin dans la Bible. Je terminerai par un autre sujet, qui était justement celui de ce que nous avons vécu, nous, en tant que chrétiens. Nous avons prié pour le monde qui nous entoure. Je voyais récemment un film qui s'appelle Chocolat. Chocolat, c'est quand même des reliquats de l'esclavage. Hein, vous l'avez vu, ce film, non? L'histoire d'un clown en France qui, jeune, était esclave et finalement est devenu clown et était totalement génial. Mais dans sa position, il y avait deux clowns, un blanc et lui. Et finalement, les gens riaient de voir ce clown noir frappé par un clown blanc. Il y avait là, ce n'était pas l'esclavage, c'était le racisme. Or, le racisme, nous le vivons encore aujourd'hui. Comment pouvons-nous prier? Et que faisons-nous, par exemple? Nous prions pour les réfugiés. Ça veut dire quoi, prier pour les réfugiés? Seigneur, bénis les réfugiés. Dieu nous répond, hein. Il faut qu'on soit vigilant pour ça. Hein. Il nous dit, celui qui va s'occuper de réfugiés, c'est toi, c'est moi. Hein. C'est pas lui. Ou plus exactement, sa réponse est de dire, je vous ai créé pour vous occuper des réfugiés. Et ce qui me chagrine énormément, c'est que quand je reviens à cette situation du Brexit, elle s'est faite sur un sujet des réfugiés. Et là, vous allez me dire, le sujet est compliqué, et vous avez raison. Et là, on se trouve dans un conflit, dans un problème éthique majeur. La Bible dit, le réfugié, tu t'occuperas du réfugié comme toi-même, tu aimeras le réfugié comme toi-même. C'est clair. La parabole du bon samaritain, elle est là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'individu? Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église? Peut-être que samedi prochain, vous aurez un énorme panneau qui sera devant cette Église, il faut qu'on en discute, sur, justement, liberté, égalité, fraternité. Ça vous rappelle quelque chose? Parce qu'effectivement, le monde religieux et protestant en particulier va faire une action symbolique forte au sujet de la fraternité. Vous savez, de temps en temps, on critique facilement, j'allais dire, les églises dans des temps anciens, en se disant, mais comment se fait-il qu'elles n'aient pas réagi plus violemment à l'esclavage, tel l'apôtre Paul, ou au racisme, tel aujourd'hui? Et je me dis, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je suis cohérent? Parce que c'est là-dessus que nous sommes attendus, nous chrétiens. Est-ce que vous êtes cohérent entre votre conversion, ce que vous proclamez être et ce que vous êtes? Alors vous allez me dire, Patrick est très culpabilisant au travers de ça. Non, mais je suis réaliste. Et je crois qu'il faut que nous prenions conscience chacun qu'effectivement l'Évangile, et ça va être, comme je vous le disais, l'objet de tout un trimestre d'études, l'Évangile, ce n'est pas de la théologie. Entre nous, là aussi, nous venons de recevoir, allez, je terminerai par ça, parce que de temps en temps, voilà. Savez-vous aujourd'hui quel est le but de la journée décidée au niveau mondial? C'est une journée dite de jeûne et de prière pour... Vous ne savez pas? Vous n'avez pas écouté samedi dernier? Vous n'avez pas... C'était pour nos contemporains. Et c'est pour ça qu'on fait un culte pour les contemporains, entre autres. Et ça veut dire quoi, prier pour mes contemporains? Est-ce que cette semaine, vous avez prié pour les contemporains? Et puis vous êtes endormi gentiment. Vous allez dire, il est terrible, Patrick, en ce moment. Mais prier pour les contemporains, ça veut dire quoi? Ça veut dire
être prêt à écouter ses contemporains, à parler le langage de mes contemporains, à vivre avec mes contemporains, à agir avec mes contemporains. Parce que Dieu nous dit, les contemporains, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Hein. Ou si, je m'en occupe. Mais je m'en occupe par vous, par moi. Et donc, sommes-nous prêts aujourd'hui à nous occuper de nos contemporains, à vivre des chants qu'ils comprennent, à employer des mots qu'ils comprennent? Ne me dites pas que si vous leur parlez de Trinité, ils vont comprendre. Déjà, nous, on ne comprend pas bien. Attention au vocabulaire qu'on emploie. Sauvé par le sang du Christ. Attendez, si nous ne mettons pas un peu d'explication derrière ça, c'est un langage incompréhensible. Nous allons leur parler de péché, mais ça veut dire quoi pour un contemporain? Ça exige une grande réflexion sur ce sujet-là. Nous sommes en train de faire quelque chose au niveau de Neuilly, et je sais que vous nous accompagnez au travers de ceci. L'apôtre Paul nous interpelle. Il nous dit « Soyez cohérents ». Et je terminerai avec ce verset que je trouve dans Philémon. Après tout, le livre est complet par lui-même. Alors Philémon, il n'y a pas de chapitre, il n'y a que le verset. « Que ta participation à la foi soit agissante par la connaissance de tout ce qui est bon en nous. » Que la participation à la foi soit agissante. L'apôtre Paul dit à Philémon et me dit à moi, Patrick, vous dit à vous, à nous tous, que votre participation à la foi soit tout simplement agissante. Comment ? Eh bien, vous allez vous retrouver devant des situations, des conflits éthiques. Réfléchissez dessus. Travaillez en commun. Le but, n'oubliez pas, agissante et par amour. Et vous verrez que l'effet d'une parole d'amour et de compréhension peut avoir une action considérable. Onésime est devenu évêque. Bon sabbat à tous. Amen.